Et salut tout le monde, c'est Brux, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Evil Within 2, The Evil Within 2 plutôt. Et en ce moment on n'est pas bien parce qu'on a un fantôme à notre housse. Donc pour les plus petits, éviter ça fait très peur. Non mais je vous le dis. Moi aussi je flippe là. Cette musique c'est quand t'as le fantôme et je l'aime pas. Là-bas t'as la porte et j'imagine qu'elle va revenir, on va devoir se planquer. Y a rien ici. Y a pas la partie haut du truc que j'ai lu. Ah. Lettre du chef de la police. Date 17 novembre 2014. Et si Jim, juste un petit mot pour donner des nouvelles concernant la situation Castellanos Beacon. Nous allons envoyer Sébastien en assistance psychologique obligatoire. L'accident de Beacon doit rester secret et notre cher inspecteur est notre seul problème. Nous avons de nombreux opérateurs au sein de la PKC. C'est, mais pas assez pour assurer que rien ne filtre. Heureusement, la psychologue est de notre clé. Une fois que nous aurons découvert tout ce que c'est Castellanos, nous pourrons facilement semer le doute chez lui à travers ses sessions. Lorsque nous en aurons fini, Sébastien ne saura plus si ce qu'il a vu à Beacon était réel ou non. Remarque, ce sera facile, pardon, il s'agit comme un zombie ces derniers temps. Il agit comme un zombie ces derniers temps, pardon. Le pauvre a visiblement du mal à gérer ce qui lui est arrivé là-bas. J'ai presque de la peine pour ce pauvre bougre. Je le connais depuis plus de 10 ans. Il n'est plus le même. Mais c'est le prix du progrès. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. James Van Kirk, PKC. Kidman avait raison. Oh non. Ils Encore. sont partout. Ils étaient sous mon nez tout ce temps. Non, je prends la bouteille. Pitié. Pas de fantôme. J'écoutais ma manette là pour voir si elle avait le bruit. C'est bon, je vais faire un arrêt sinon. Alors, quand tu dis une issue comme ça, je crois pas. C'est quoi ça? Ruvik! Leslie! Qu'est-ce que c'est que ça? Ruvik qui va pas apparaître, il est bien mort. Hein. Là, je pose des questions. Pris au piège, impossible de sortir. C'est nous ça. Qu'est-ce que c'est? Pas partir. Rien ne change. C'est nous. Ma faute. Tout est ma faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Wow, 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 wow. Là, je revois des trucs du 1, là. La source de ma douleur. On était barbu, par contre, dans... C'est moi. Premier. Cette partie de moi toujours coincée dans le stem. Je ne sortirai jamais. Non. Je me trompe. Je sortirai. Mais sans toi. Il est sérieux, mais il s'est tué lui-même là. Ok, donc on revient là. Ah, on a une petite diapo. C'était différent des autres fois. Plus réel. Comme si quelque chose avait changé. Je t'ai mis une balle dans la Je tête, n'est-ce pas? Bien. Ah. Hein? Mon vieux flingue. Ça faisait un bail. Ah, j'ai obtenu une nouvelle. Ah, oh, stylé! Trophée obtenu, libéré, délivré. Aha, aha, aha. Alors, diapositif. Ah, bah, franchement, je suis content d'avoir fait ça avec le fantôme. Et du coup, on a le flingue. Alors, sans vous spoiler, enfin, je ne sais pas, mais j'ai vu quelqu'un qui avait le manteau du 1. Enfin, je ne sais pas comment il a fait. Peut-être c'était un mode. Je ne me spoil pas, bien évidemment, mais j'ai regardé un truc, les bugs de The Evil Within 2, et puis le gars, il avait le manteau. Non, du 2, excusez-moi. Donc on revient là, il n'y a plus le fantôme, hein. Il n'y a plus le fantôme. C'est bien. Par contre, il y a toujours... Ah, j'ai rechargé. En fait, ça, c'était pas ton flingue, Sébastien, c'est celui de Conley, je sais. Il y a toujours la moche là-bas, par contre. Est-ce que je peux sniper en rampant? Je crois pas. Comme ça en fait. Ah si, parfait. Attends, elle est où?
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merde, elle est là. Plein dans la tête. Elle est morte. Elle est morte. Je l'ai défoncée. J'ai fait un gros headshot. Je suis à pro snipe. J'ai plus de balles au snipe. Plus 1500, c'est parfait. Je pensais pas que j'aurais réussi comme ça, mais bon. Ça me tente d'utiliser le flingue là. Ah, attends, il y a quelqu'un là. Le flingue comme ça. Tu m'as pas vu, hein. T'es un ninja dans l'ombre. Parfait. Au revoir. Plus on avance dans le jeu, plus il est parfait, je trouve. On voit des éléments du 1 et ça, c'est cool. On doit aller tout droit, mais je sais pas si ça va être si simple parce qu'on n'a pas eu de boss. Ce Miss Phantom, c'est bien un boss, mais c'est pas un boss qu'on peut tuer. Il y a encore quelqu'un et je ne veux pas partir sans l'avoir tué. Il m'entend apparemment. C'est un gros. Il y a des trucs. Je le vois. Une bouteille. Alors par contre lui c'est pas un gros, mais j'ai cru entendre un gros. Oh, il défonce le flingue. Ah. Clac, au revoir. Je suis pas d'accord. La précision de malade. J'ai fait un gros headshot à la fin. Bon, bah je les ai eu. C'est dommage que j'ai utilisé des balles, mais bon, tant pis. De toute façon, j'en ai plein, alors... Et je peux avoir du gel, c'est déjà ça, 10 000. J'ai plus de 10 000. C'est cool. T'imagines si on a un boss après. Oh là là, le gel que je peux avoir. Enfin, je veux pas forcément avoir un boss, mais bon. Après, pour le jeu, ça serait mieux. Alors, est-ce que j'ai été ici? Je crois pas, ça, je me souviens pas avoir été ici. D'ailleurs, sur la carte. Ouais, j'ai tout fait. Seringue. Ah oui, maintenant je peux en transporter 4, c'est vrai. Je suis pas déjà venu ici tout à l'heure? Il me semble bien que si. Si, 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 j'étais venu ici tout à l'heure, mais je pouvais pas prendre la seringue. C'est bon. Hop, tu défonces la porte, tu l'as encore la défonce celle-là, hop, et c'est reparti. Bon, bah on a tout fouillé, on peut continuer. Recherche de puce d'union cérébrale, veuillez patienter. J'ai pas mis dans ma tête quand même. Puce d'union cérébrale détectée. Accès autorisé. Enfin. J'ai le pompe, hein. J'espère que j'ai encore le temps de rattraper Hoffman et O'Neill. Ça va être une course là ou quoi? Oh là 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 là. 4 balles de pompe. Attends, t'es fou toi. Mais attends. D'abord prendre ça quand même. 10. C'est énorme. Il va nous mettre un atelier et après c'est le boss, c'est ça? Là, je suis pas bien, là. Je fais pas le malin, là. Pas une statuette, là? Je suis perdu, vraiment. Je peux continuer, là. Je sais pas ce que c'était, mais je repars là-bas. J'ai pas vu là-bas ce qu'il y avait. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais non, j'aurais peut-être dû y toucher après. À faire pleuvoir. Super. Oh non. Dites-moi pas qu'ils sont vivants. Il y a un fusible, non? Non. C'est les effets graphiques qui font ça. Rien du tout. Ah si, j'allais dire une pièce vide, c'est pas possible. Encore des balles de fusil à pompe. C'est pas normal. Moi je vous le dis. Encore des trucs là. Qu'est-ce que c'est? Encore des balles. Et moi je vous dis, on va se prendre un boss. Hein. On va se prendre un boss dans la gueule.
C'est quoi ton revolver? Il est hyper cool, sauf que je trouve qu'il est pas assez précis. Il faut une visée laser. Il faut que j'aime pas la visée laser. Ouais, mais vu que c'est plus précis, j'aime pas prendre des pistolets à visée laser, mais vu que c'est plus précis, je vais le garder. Attention, ça fait les mêmes dégâts. On va avoir un boss de feu là ou quoi? Le truc il se remet normalement. C'est très bizarre. Encore des cartouches. Je suis au max. C'est dommage que j'ai pas amélioré ça, mais bon. Cinématique. Hoffman, éloignez-vous. Non, il sait pas ce qu'il fait. Merde. Non. Non, c'est le truc du trailer et tout. Liam, oh, stylé. Arrête. Ah, c'est O'Neill. C'est O'Neill. Non. Mais moi, je le déglingue. Enfin, ça dépend. Reste en dehors de ça, Sébastien. Oh putain, c'est quoi ce délire? O'Neill, qu'est-ce qui s'est passé? Théodore m'a montré la voie. Je lui appartiens maintenant. Je l'ai aidé à se cacher. Et en échange, il m'a offert une nouvelle vie. Une vie d'esclave. Tu ne comprendras jamais. Tu étais mon pote. Par le feu. C'est sûr que je veux plus le voir maintenant. Comme mon endurance. Non mais est-ce que ça nique beaucoup le coup? Ah oui d'accord, ouais je comprends. C'est bon. Attends, 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 attends. Est-ce qu'il faut que je le déglingue? Attends, j'ai... Non, je vais garder plusieurs fusil à pompe. Je sais pas si je peux le tuer par contre. J'ai pas utilisé mes trucs de pistolet, c'est surtout pour les petits zombies ça. Oh! Ah par contre je pourrais plus passer après. Il va me coincer l'enfoiré. Où est-il? Eh t'es puissant O'Neill, hein, je savais pas. Hein. T'aurais dû mourir hein, dès le début. Oh si, t'inquiète. C'est pas que tu vas me laisser t'échapper, c'est que tu vas mourir. Et par contre, il me fait pas de dégâts pour le moment, c'est normal. Soit je suis fort, soit c'est que le début. Par contre, là. Attends, tu vas pas me dire que. Ah, il est pas mort. Il me ressemble au boucher dans le 1, enfin, les gardiens dans le 1. Allez, j'ai utilisé toutes mes cartouches de pompe. Je suis pas mort. Ça suffit. Assez joué. Checkpoint, t'as quand même. salut. Attends, pistolet visé laser. Excusez-moi 2 secondes, je sais, on est en pleine action. Hop. Parce que dans les flammes, je vois rien. Là. Oh, ouais, là, ça me blesse un peu, là, effectivement. Ah, ouais, 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 ça me blesse un peu. Oh! What? Attends, mais je vois rien là. What? Attends, ça m'a fait hyper mal. Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu meurs pas facilement. Comme un gros con, j'utilisais toutes mes cartouches de pompe. Est-ce que. Attends, ouais, j'ai des trucs carreaux. Explosifs, j'en avais fait. Ah, super. Attends, attends. Mais ça! Non! Ne
Boum. Et si on faisait... attendez. Je prends mon temps. Carreau électrique, tiens. Merde. Non. Sérieusement? Tu ne mérites pas d'être infidèle. Oh la blague. Attends, je recommence à zéro? Non. Non. Attends, je suis où là? Quoi? Il me fait recommencer à... Attendez, 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 mais je suis où là? Il me fait tout recommencer? Oh le jeu! Allez, les gars, ce que je propose, c'est d'aller sauvegarder parce que, franchement, leur technique de sauvegarde est zéro. Hein. Leur technique de sauvegarde est vraiment zéro. Hein. Si vous détestez recommencer, bah prenez surtout pas le jeu. D'ailleurs, on va regarder le truc, la diapositive. Kidman, ah. Répondez. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais l'impression de ne plus savoir ce qui est réel. Plus souvent que la plupart. C'était des à la fin du 1. Mais probablement pas autant que vous. La première fois que j'étais dans le STEM, je ne savais pas que j'y étais. Même après en être sorti, je n'ai jamais été réellement certain de l'avoir quitté. Et quand j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé... Les gens vous disaient que vous étiez fou. Évidemment. Si quelqu'un était venu me voir en me racontant cette histoire, je l'aurais fait enfermer pour son propre bien. Je sais. Même avec Mobius, ça m'a pris du temps pour m'adapter après Beacon. C'était comme vivre dans un état perpétuel de déjà-vu. Parfois... Je suis encore un peu confuse. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu cette fois-ci? Je ne veux plus jamais retourner dans le STEM, si je peux l'éviter. Considérez-vous comme chanceuse. Union, c'est comme vivre un déjà-vu dans un rêve à propos du déjà-vu. J'espère que je sortirai d'ici avec l'esprit intact. J'espère déjà que vous vous en sortirez tout court. Je suis pas sûre que quelqu'un soit déjà sorti de là avec l'esprit intact. Le STEM vous marque d'une manière dont personne n'a idée pour l'instant. Ok. C'est bon Sébastien, arrête de faire le fou. Hein. On a 10 000, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être dans combat, parce que... On n'est pas trop bon là. Pistolet, tiens. 345, je crois que j'ai pas assez. 350. C'est ça, 350, 360. Bon, je sais pas. J'ai pas assez pour ça. Je sais pas si j'avais de clé, je ne crois pas. Fabrication. Balle de pistolet, j'ai rien du tout. Où ça pique hein. Cartouche de fusil à pompe, non. Carreau explosif. Là, on va en créer plein, là. Voilà. Seringue médicale. On va peut-être pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Cartouche fusil à pompe, je vais en avoir. Moi, je pense qu'on est bon. Ouais. On va voir ce que je peux faire, vite fait. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main, inspecteur. Vous avez à nouveau besoin de mon aide. Ouais. J'aurais surtout besoin d'informations, en fait. Je le ressens, oui. Mais c'est tout ce que je peux ressentir. Comment ça? Il y a quelque chose ici qui brouille toutes mes sensations. Les sensations de tout le monde. Bien qu'il ne reste plus grand monde ici pour tout réparer. Vous faites partie des derniers. Arrêtez de faire des rimes. Voilà qui est inquiétant. Oh les rimes. Pendant combien de temps? Voilà qui est inquiétant. Oh là là. Ça m'énerve les rimes. Je l'ai remarqué plusieurs fois durant le jeu. Ça m'énerve. On a besoin de faire un mal à être trop prudent. Mais vous ne pouvez pas. La confrontation. Arrête. Pour toujours. Eh j'ai un gel rouge. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Tu crois? Ben moi je crois pas. 7500 la capacité d'endurance. Allez. Endurance. Vitesse de. Endurance augmentée. Ah, c'est 12 000.
Bon, je vais prendre ça. Voilà, comme ça on pourra courir encore plus. Ça c'est 12 000 aussi. Ça c'est quoi ça? Ouais, mais de toute façon j'ai pas assez, donc on s'en fout. Furtivité, j'ai tout. Je crois que je peux plus rien faire. Juste, le ça sert à quoi ça? Appuyez sur trigger, viseur, concentrer, ralentir. De toute façon c'est 75 000 là. Du coup je vais pas prendre ça maintenant. Ça c'est 20 000 pendant un temps donné. Prenne cours de munitions. Non. Ça c'est 6 000. Ouais peut-être ouais. Santé. Ah peut-être là ça va être intéressant mais j'ai peut-être pas assez. Ouais 7500 ouais. Ouais bon bah merci. Donc là normalement j'ai un meilleur sprint. Ouais je vois tout de suite. Et on pourra encore l'améliorer une dernière fois mais bon. C'est pas un coureur non plus Sébastien. Là on va bien sauvegarder. Voilà, retire ton téléphone, là ton bidule. Et on y va. Bon, je rejoins dès qu'on est arrivé là-bas. Bon, j'ai testé le sprint, c'est pas terrible. Hein. Ah bah tiens, j'avais oublié ça. C'est bien que ça disparaît pas, c'est bien. Bon, est-ce qu'on peut passer à la cinématique? Avant tout, je devrais peut-être me soigner un petit peu, même si j'ai 4. Voilà. Attendez. Il n'y a pas des cartouches enfin, de pompe qui traînent dans le coin. J'espère que j'ai encore le temps de rattraper Hoffman et O'Neill. Ah oui, c'est vrai. Ils donnent même pas de checkpoint, quoi. Je sais pas si j'avais raté quelque chose, mais en tout cas, il n'y avait pas de checkpoint. Hein. Mais bien d'accord, il n'y a pas de checkpoint. Je sais ce que ça fait, Sébastien, de courir, d'être fatigué. Des voix. Ouais, et ça c'est eux, je sais très bien. Sauf que j'irai après... Ah, là-bas, des cartouches. J'aimerais un point de sauvegarde, en fait, juste ici. Je sais pas s'il m'a marqué sauvegarde. Ça serait bien, en fait. Je vérifie qu'il n'y a pas autre chose. Parce que ce combat, en fait, le début, ça va super, c'est hyper facile. Mais après, compliqué. Hein. De toute façon, vu que j'ai pas le temps de tirer, je crois que je vais reprendre quand même celui-là. Deux balles de pompe, si jamais on en a besoin. Croyez en moi, les amis, c'est parti. J'attends de récupérer mon sprint. Voilà. Je vais passer ça. Hein. On l'a déjà vu de toute façon. Je vais reprendre le pistolet. J'avais dit que après. Je... Non! Oh putain, c'est galère! Oh, je peux pas passer, je suis coincé. Vite. 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 Bon, bah, on est dead. Hein. Putain, c'est galère. J'ai aucune trousse de soins. Super. Je vais quand même prendre des cartouches de pompe, finalement. Putain, mais j'avais oublié que j'avais ça. Attends, mais mec. Bah, ouais, bah, on va crever, hein. C'est un boss que j'arriverai jamais, ça. Pourquoi je peux pas prendre? Pourquoi je peux pas prendre la seringue? Encore une, hein, fou lui. Mais mec, t'as vu ça quoi? Je ne laisserai pas ce champion. Je vous promets. Il en faudra plus pour m'arrêter. Ça, je m'en doute. Tirer dans la tête, je crois que ça lui fait rien. Bon, on tourne comme ça pendant combien de temps? Tu ne m'échapperas pas.
C'est bon là? Non. Si. Pour le moment. Regarde, après ça, il aurait pu mettre à checkpoint quoi. Assez joué. Bon bah, bonjour. Mais regardez ça. Il m'a dit quoi? Je m'en rappelle plus. Putain, mais ça tire pas dessus. Il est. En plus, il est hyper grand. Il a grandi, hein, c'est moi ou. Il est bloqué. Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu vois ça? Pas facilement. Je sais pas si c'est la meilleure technique que ce que je suis en train de faire. Wow, 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 wow. Non! Ça lui tire pas dessus. Bon, laissez-moi réfléchir. Je n'ai plus de balles. Après, vous allez me dire, oui, je peux crafter. J'ai 20 poudres à canon. Je peux crafter, mais ça coûte deux fois plus. Donc ça me ferait chier. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le... J'en ai qu'un seul. Sérieux. Explosif direct, mec. Non. Oh. Boum, ça explose. Désolé, maître. Je ne laisserai pas ces chiens. Putain, je suis pris dedans. J'ai pris les deux. C'est pas encore bon. Que les flammes te consument, c'est mieux que mes bras diminuent. Ah. J'ai plus de balles. Hein. Ouais, je reconnais son visage. Sébastien. Je suis enfin libéré de sa voix. De mes peurs. J'étais terrorisé. Tu dois l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter, si je ne sais pas où le trouver, O'Neill. Il s'est transphasé. Il n'est pas là. Il est... nulle part. La machine dans la pièce d'à côté. Tu dois la détruire. Est-ce que je peux prendre ton gel vert? Quelle machine? Il me l'a fait construire. Pour se cacher. Détruis-la. Et tu pourras le détruire. Ça n'est pas triste, hein. Comment est-ce qu'O'Neill s'est retrouvé transformé en cette horreur? Lance-flamme, on peut le prendre? J'étais enfermé dans ma planque depuis que vous êtes parti. Quand Liam m'a appelé pour qu'on se retrouve, j'étais tellement soulagée d'entendre sa voix. Mais c'était pas Liam, c'était cette chose. J'ai essayé de le raisonner, mais... Vous l'avez entendu. Théodore Wallace lui a fait quelque chose. Pauvre gars. Je voulais pas le tuer. Vous n'aviez pas le choix. Théodore ne comptait pas l'abandonner. Bon, et maintenant? Allons jeter un œil à la machine pour parler, O'Neill. Je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés. Allons-y. Oui, maître. Bien sûr. Vers l'autre côté. La machine fonctionne comme prévu.
Est-ce que je peux? Lance-flamme cassé. Les réservoirs de ce lance-flamme sont irréparables. Vous devez trouver des pièces de rechange avant de pouvoir l'utiliser. Cette arme semble utiliser des pièces personnalisées. Il vous faudra sûrement trouver une arme similaire pour récupérer de nouveaux réservoirs. Cependant, vous avez comme l'impression que vous n'en trouverez pas une à tous les quadrus. Super. Un lance-flamme. Je pourrais m'en servir, mais il est cassé. Oh, c'est bizarre. Peut-être oh. Qu'avec les bonnes pièces. Tête d'O'Neill. Par contre, j'ai pas son gel, ça m'énerve. Attendez, il y avait des munitions de fusil à pompe et j'ai plus rien comme munitions. Il y en avait ici des munitions. Ils ont disparu, c'est bravo, ouais, c'est très bien. Je vais éteindre ça. Là, par contre, ça. Ah, attends, il y avait quelque chose là. Balle de pistolet. Je vais prendre le pistolet de base. Eh non, je me suis trompé. Ça, c'est à gauche. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai... J'ai fait n'importe quoi. Bah, c'était pas facile, fallait bien réfléchir, mais c'était pas hyper compliqué en fait. Je pourrais pas éteindre ce feu. Mais... C'est pas possible ça. Non, j'ai failli encore me cramer. Regardez la jauge de sprint, je viens de commencer de là où est-ce que j'étais. Où est-ce que je pourrais finir? Sébastien, vraiment quoi. Il fait exprès hein. Je vais voir la machine. Un miroir. Qu'est-ce que c'est? Bizarre ici. On dirait qu'il construisait quelque chose. Peut-être la machine dont il parlait. Moi je vais de l'autre côté du miroir, mais je sais pas si tu vas me suivre toi, hein. Je crois pas. Alors du coup j'ai pas de gel vert, ça m'embête. Non c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. 3150 gel vert, je pourrais rien faire de toute façon. J'avais pas une photo? Non, j'avais pas de photo. J'ai dérangé le chat. Non mais au moins je suis sûr. Attends. Pas des dossiers, regarde ici, non. Fabrication tout de suite. Hop, je vais faire des balles de pistolet. 10. Voilà. C'est fait. Attends. Je lance flamme. Il faut deux trucs. Réservoir de. Ok, bah ça je suppose que j'en trouvais. Hein. On va sauvegarder. Et on va retourner là-bas. Oui, je sais, arrête de faire du bruit. Oh, elle est buggée elle. Hein. Est-ce que je peux aller là-bas? Oui, mais d'abord on va regarder ici. Regardez sa taille par rapport à moi. Il était pas si grand que ça. C'est ses bottes, non? Jamais je ne vous désobéirai. Ouais, mais enfin. Bien sûr, ce sera fait. Comme il vous plaira. Yukiko, tu m'entends? Je suis dans la salle de fabrication. Les droits d'accès ne veulent plus dire grand-chose quand tout le monde est mort. Je t'en prie, viens me voir ici. J'ai quelque chose à te montrer. C'est important. D'accord. Et donc la machine à détruire. Attends, calme-toi toi. Oh, j'en ai deux maintenant. C'est parfait ça. Elle serait ici la machine. Non, là c'est là où est-ce que je viens, non? Ah non. Bah si. Si. Retour. Là-bas.
Alors vous connaissez Théodore Wallace? Bien sûr. C'est le chef du recrutement. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il fait ça? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Elle est buggée. Théodore veut Lily pour ses propres desseins. Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill? Il fera subir le même sort à tout le monde s'il le faut. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. Elle court bien, c'est bon. Cinématique. Qu'est-ce que c'est? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champ stable. En tout cas, O'Neill nous a dit de le détruire. Alors c'est ce que je vais faire. Et je sais comment. C'est moi. Sébastien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Alors, est-ce que t'as fini d'armer tes trucs? Ouais, cherchais justement une excuse pour les utiliser. Bien, je t'envoie mes coordonnées. Apporte l'artillerie lourde, ça va péter. Compris, je suis en route, à tout de suite. Wow. J'ai presque terminé. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Ok. Bon, je suis de retour, moi, et là, je dois... j'ai dû recommencer quelques petits trucs, mais... pas trop grave, attends, hein, j'ai besoin de quelques clarifications, Hoffman. Ah. Vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici. Pourquoi le serais-je? C'est un visage familier dans le STEM. Tout le monde connaît tout le monde chez Mobius, hein? C'est plutôt moi qui connais tout le monde. J'évalue les nouvelles recrues depuis des années. Comme une grande famille à problème. Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses. C'est un bon soldat. Ah, ça, c'est la putain de vérité. J'imagine que vous connaissez Mira, aussi. En effet. Nous avons travaillé ensemble. Alors dites-moi un peu. Comment a-t-elle pu rester les bras croisés pendant qu'il faisait des expériences sur Lily? Comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort? Mira a un instinct maternel exacerbé. Elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily. Et le mot « expérience » est un peu fort. Lily était bien traitée et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne. Quant à l'annonce de votre mort, j'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily. Ouais, il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné. Avec un peu de chance, vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini. Je suis entré dans la réalité de Théodore. Si celle reflète sa psyché, il a clairement de graves problèmes de santé mentale. Ça expliquerait pourquoi il est si puissant. Et pourtant, il se cache. Peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre. Eh ben, je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul. Si ce que nous a dit Liam est vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous feriez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera. Je n'y comptais pas. Il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travaillait Liam. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. D'accord. Mais ensuite, vous retournez dans votre planque. On ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc. Entendu. Pendant que l'autre, on est en train d'attendre, là, elle a juste parlé une fois. Alors, ça c'est fait. Il n'y aurait pas d'autre truc à prendre. Ah, il m'a manqué, toi. 45, et il m'en manque 10 pour... Non, le pistolet, j'avais déjà amélioré. Ah bah non, je peux déjà améliorer les coups critiques, c'est super. Encore. Et ça, c'est des bassines... Y'a pas une statuette, là? Ah, salut, je te cherchais. Ah, voilà. Ah, tu fais plaisir. Il n'y en aurait pas une deuxième? Non, je déconne. Bon, allez. Où es-tu? Allô? Ah, t'es là. Dis-moi, Torres. Ah, bon, ce truc. Non, pas tout de suite. Connaissez Hoffman avant tout ça? Tout le monde connaît Hoffman. On rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau. On peut lui faire confiance? J'aurais dit non avant, mais... Être abandonné par ses supérieurs, ça remet les choses en perspective. Elle est coincée ici, comme nous. Donc t'as des doutes? Elle est pas méchante, juste un peu froide. J'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye. J'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc. Moi non plus, mais au moins on tente quelque chose.
Je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser. T'as la tente derrière. Il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles. Ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue? Ça veut dire que tu dois être prête à tout. Tu sais pas ce qui peut se passer ici. Ne le prends pas mal, mais comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi s'est-elle retrouvée chez Mobius? J'étais experte en démolition dans l'armée. Ils m'ont envoyée chez Mobius pour des opérations secrètes. Une fois mon contrat terminé, ils sont venus me chercher. Et tu les as rejoints comme ça? Ils se sont montrés persuasifs. Ils te disent pas tout quand tu signes. Et on m'a chargée de faire des choses dont je suis pas vraiment fière. Ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément, et dans le cas contraire, alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller, je l'ai saisie. J'ai encore quelques principes, malgré les trucs que j'ai dû faire. Ok, donc armons ce truc. Ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça? Oh oui, largement. Et c'est prêt à péter à ton signal. Je suis pas encore prêt. Reste là, je reviens. Compris. Ce sera suffisant pour nous débarrasser. Oh oui, et c'est prêt à... Je suis passé, hop. Je suis prêt. Je sens que ça va pas être bon. Matériel dans l'autre pièce. Bonne chance à tous les deux. Te transforme pas, toi. Hein. Bon, c'est parti. Opération potage de cul. Vous restez dans la salle, vous. Lancement dans 3, 2, 1. Est-ce que ça va, Torres? Et là, on est avec un monstre, c'est ça? Torres, pas de balle. Où est-ce que... Ça m'a fait peur. Sebastian Castellanos, vous refusez d'embrasser les ténèbres. Alors vous essayez de m'apporter la lumière. Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte. Alors venez, je vous attends. Vous voulez retrouver votre fille adorée? Venez donc. Venez réaliser votre rêve. Les voix sont super bien faites. Cinématique aussi, super bien fait. Tu es là. Attends, qu'est-ce que j'ai comme balle? Parce que je le sens pas. Ah d'accord, donc attends, carreau explosif, j'ai tout. What the fuck? Très bien, je les avais utilisés contre le boss, mais bon. Bah tant mieux, hein, mais bon, c'est bizarre. Chapitre 12, je crois qu'il y a 16 chapitres dans le jeu, hein, puis s'en font. Je suis pas sûr qu'il y a 16 chapitres, mais je crois. Je vais peut-être me soigner, non? Ah, ok. Je ne peux pas. Servez-vous de votre communicateur? Ah, ça va être débile. Je suis là, papa. Dépêche-toi. J'arrive, Lily. Putain, il y a des zombies ici. J'ai eu un réflexe. Je crois que normalement, ils voient pas ma lumière, mais ils peuvent mieux me repérer, en fait. Allez, ça, ça dégage. Et plus dans le sang. Quelque chose à me donner? La poudre à canon, je préfère que tu me donnes des balles. Tu vas pas miroir pour aller voir Tatiana? Merde. Il y a que lui? Non. Il sort ce couteau avant, j'aime ça. Ah, j'adore cette attaque. Hop. Quelque chose à me donner? Ouais. Du gel vert. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Ah non, non, non! Pas trop d'accord, moi, en fait. Ah, piétiné! J'ai eu un réflexe, là. Merde! Putain, je savais pas. J'avais pas qu'il m'avait vu. Le système de là, il est un peu dégueulasse, hein. Ah, non, non. Hey, salut! Je sais qu'il fait un peu noir, surtout que vous êtes sur YouTube. Et voilà. Hop, hop, ça dégage et au revoir.
Oula, j'ai pris du gel vert dans ses fesses. What the fuck. Oh, il va prendre 3 heures pour lever le levier. Vous êtes sérieux? Allez, on tourne, on s'arrête, on tourne, on s'arrête, on tourne, on s'arrête, et c'est fini. Fais pas le con, Henri. Ok. Bon, et ben les amis, on va s'en arrêter là. Je sais que ça fait, ça fait très peu dans le let's play, mais bon, ça fait... plus de 50 minutes, enfin je n'en sais rien combien ça fait de temps, mais en tout cas j'ai plus de temps pour continuer, parce que n'oubliez pas que je ne peux pas dépasser les 1 heure de vidéo, alors, si je peux dépasser pour les mettre sur YouTube, mais avec ce logiciel non, donc on va aller là-bas pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, et à laisser un commentaire, à partager la vidéo aussi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.